Después sale el doctor Chibó. Chibó. Se da la brisa. Oye. Ya con la voz. Claro que sí. Yo soy la vio que Rebeca ahorita es su. ¿Ok? Ok, te vamos a atar là-dessus. Ahí el mal. Y les pilules, tu bêtes. Oye. Le gars, il court, parce qu'il mouille beaucoup. Le voyez-vous dessus? Qu'est-ce que ça a fait? J'ai pas vu là-dessus. Bon, des boules. Non, là, niaiseux, eux autres. Niaiseux. Bon, bonjour. C'est ma soeur, elle est pour la famille. Actuellement, on est tous en famille. Ça va bien. Ça fait presque une semaine qu'on est en famille. Oups. On est en famille, puis Léo, il n'a pas de tablette, puis moi, j'ai pas d'ordi, puis Karine n'a pas d'ordi. Fait que là, Léo, il a le goût d'écouter un film, vieux film de l'année 60 avec ses parents, parce que ça a l'air cool. La grande patrouille. Est-ce que c'est un vœu, comment on appelle ça? Oh yeah! C'est un abord! La reine des pets. Parce que là justement on a rien d'autre à faire qu'être ensemble. Pour regarder la TV ensemble. Tout faire ensemble. Ben oui, c'est pas ça que je dis. Je veux dire que rendu à Montréal, je suis sûr que Léo va dire, il va être sa tablette le soir. Oui, tu vas me dire, ah non, ça m'intéresse plus. Je suis sûr, c'est ça. On va dire, eh oui, on avait dit en vacances pour regarder la grande madouille en famille. Ouais, mais Léo veut pas, c'est un film des années 60, la rythmique dans le film est pas pareil comme aujourd'hui. Ouais. Fait que je fais que c'est ça de même. Ça change beaucoup le rythme familial quand t'as pas de tablette, d'ordi, patate à gosse.